introduire ce soir au micro mon ami Jean-Pierre Beltoise. Je suis élu parce que j'ai participé à la Bowl, la F3, les premières victoires, la Formule 2, les sports prototypes, la Formule 1 et Challenge. Il m'a dit, je crois que je vais arriver à parler 30 minutes. C'est assez fantastique car je crois que dans l'ensemble de sa carrière, il n'a jamais parlé 30 minutes dans un micro. 5 autres champions de France, et je crois que ce 109 apporté au sport automobile a permis non seulement son développement, mais d'orienter son activité dans un domaine qui est cher à Jean-Pierre, celui de la sécurité. De vouloir prétendre faire atterrir des Boeing sur des pistes d'atterrissage de la guerre de 14-18. Alors il, car il a le courage, il a l'honnêteté fondamentale. Merci beaucoup, Claude Bourgeot. Je ne t'avais pas vu depuis assez longtemps et c'est toujours avec un grand plaisir, car tu nous fais chaud au cœur. Alors, je voudrais dire juste une chose quand même pour ceux qui sont amateurs de football, c'est que quand j'aurai fini, eh bien, dans la salle de cinéma, on pourra voir la seconde mi-temps, s'il n'est pas trop tard. Le PSG, c'est quand même très important pour les amateurs. Je vous remercierai d'être venu ici si nombreux, malgré les vacances, malgré les grèves, malgré un tas de choses, les élections, tout ce qui aujourd'hui fait que le courrier a eu du mal à arriver et en plus de ça, qui vous a retenu, qui en a retenu beaucoup par ailleurs, notamment tous ceux qui sont venus de province ici. Il y en a qui ont fait 500, 600, 1000 km pour venir ici. Vraiment, je les remercie profondément. La chose que je voudrais dire, puisque on est là pour une exposition que vous avez peut-être tous regardé, c'est de dire, finalement, quelle fut belle ma carrière sportive. Elle fut extraordinaire. Et je dirais que moi qui m'étais destiné pratiquement à être garçon boucher, parce que mon père avait une boucherie, et que je n'étais pas vraiment très compétent à suivre mes études, eh bien, je dois dire que pour moi, cette fête représente quelque chose d'absolument formidable. Je remercie un certain nombre de gens qui m'ont aidé pour être ici, qui m'ont aidé dans cette soirée du 19 avril 1995, qui se trouve à 7 jours de mon anniversaire, qui est le 26 avril. Je ne dis pas ça pour vous envoyer des cadeaux, mais je le dis parce que le chiffre 7 a toujours été pour moi un véritable porte-bonheur. Et dans ma carrière, les numéros de mes voitures, il y a toujours un 7, ou un multiple de 7 dans les victoires comme à Monaco ou à d'autres. Alors je crois que le premier merci que je vais dire, c'est à mes parents. C'était peut-être là une première idée comme ça, de dire on va faire une rétrospective sur les voitures de Jean-Pierre Beltoise. Alors aujourd'hui, il y a quelques personnes que je voudrais remercier très fort, sans lesquelles je ne serais jamais là aujourd'hui. Bon, d'abord, il y a Hervé Oliastro, qui se trouve ici, et grâce à qui on a pu monter le Centre International. Avec André Lecoq, vous savez, de bien organiser les choses, d'aller au fond des choses. Il y a un magnifique restaurant à Ony, du côté de Pontoise, où on y mange très très bien, et on y boit de très bons vins, avec un parfait accord entre les plats et les vins, que lui seul pouvait faire. Alors Eric, c'est vraiment lui, quand j'étais le jeune qui commençait, qui m'a dit, écoute, Jean-Pierre, la moto que je vais te prêter, c'est une bonne moto, tu pourras faire tes preuves, parce que je crois en toi, et tu me la paieras quand tu pourras. Ça ne s'oublie pas. Merci encore Eric. Pas là ce soir, parce qu'il a beaucoup de choses à faire, mais qui est représenté ici, j'ai vu avec tous les gens de Matra Automobile, Georges Martin, qui était le père du moteur Matra V12, que vous avez vu dans les voitures, Philippe Gadon, Jean-Louis Cossin, Enzo Caravani, j'espère. Et donc, Jean-Luc Lagardère a pris un pari fou avec moi. Parce que bien sûr, Edouard Rioux, qui malheureusement n'est pas là ce soir, mais elles ont été remises en état par beaucoup de gens. Alors très rapidement,
je remercie Jacques Poutet, l'ami fidèle, l'ami de mes parents, qui s'est dévoué beaucoup à cette remise en état. Dominique Aubrec, ce que j'ai la partie Mondeau. Dominique Tessier, dont vous avez vu, c'est, je l'appelle toujours le futur André Lecoq, qui a remis en état ma BNC, que vous allez voir. Alors la BNC, je vous explique pourquoi elle est là. C'est la première voiture que j'ai achetée. Tout est raconté par Jacques Potra dans la vie de l'auto, d'une façon pratiquement réelle. Et avec laquelle je me suis entraîné, car à l'école, bien sûr, il n'y avait pas encore le bon rêve, ni les écoles de pilotage. Donc je me suis entraîné avec elle dans la rue, qui était comme Michelin. J'ai vu Pierre Dupasquier ici. Et ça me fait très plaisir d'avoir vu Pierre Dupasquier venir très longtemps, parce que pour moi, le meilleur souvenir, c'est la butte taco. Pourquoi? Parce que François Thierry Bulteau m'a appelé au téléphone un jour, il m'a donné mon premier volant officiel. Il m'a appelé à Paris, j'étais dans l'appartement de mes parents, et il m'a dit: Jean-Pierre, est-ce que tu veux courir à Imola? Je ne te propose pas beaucoup d'argent, mais viens courir. C'était ma première moto officielle. C'est là où on ne l'oubliera pas. Et puis, bien entendu, ce que je ne peux pas oublier, c'est Matra. Matra, parce que, moi j'avais couru sur René Bonnet, Georges Bonnet, que je ne peux pas oublier non plus, parce que c'est lui aussi qui a été un élément important de ma mise en orbite sur ma carrière. Parce que quand j'avais fait quand j'étais chez René Bonnet comme mécanicien, et que j'étais parti la mort dans l'âme parce que j'étais un très mauvais mécanicien, je ne pensais qu'à courir, c'est Jo qui a continué à pousser son oncle à dire: tu vois le petit là, il faut le suivre, c'est ce pilote qu'il te faut pour gagner. Et ensuite, quand René Bonnet a eu des difficultés, c'est Matra qui a repris René Bonnet, et donc c'est par cet intermédiaire que je me suis retrouvé pilote d'automobile. Alors Matra pour moi, c'est pratiquement toute ma carrière chez Matra, et encore merci à tous les gens de chez Matra. Thank you.